Hey mes viewers, bonjour et bienvenue pour la suite de l'aventure sur Mountain Blade Warband avec le mode Perisnow en version 0.9. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo dès maintenant, sinon vous allez oublier. Merci beaucoup, ça m'aidera à m'aider. Allez, on est parti. toujours qu'on recrute, hein, voilà. Ok. Très bien. Bon. Donc là, on a un campement de brigands. Un campement d'hommes vaches, là, vous vous rappelez. Mais il est où? Ah, il est là. Repère des bandits de la toundra. Donc on pourrait aller le ruiner tout de suite. Mais ce qui serait très bien. Illica Falki. Waouh. Ce qui serait bien, c'est de trouver le noble du coin. Voilà. Donc là, on a un noble qui me demande d'aller détruire le... Il me demande d'aller détruire le repère de bandits. Et là, du coup, ça va nous faire une quête, des XP, etc., etc. C'est beaucoup plus intéressant. Ce qui serait super intéressant aussi, c'est que je finisse par trouver des mercenaires. Mystic Merchant. Noda. Ah, Noda. Ouais. J'aimerais bien avoir des mercenaires, c'est chaud. Hein. C'est vraiment le plus important, ça, d'avoir des bons mercenaires bien montés. Ok, ça devrait bien se passer. Je pense. Que ça devrait bien se passer. Ce rire des géants, c'est gold, c'est golden. Chargez! Bon. Ok. J'ai eu un petit peu peur de le perdre celui-là, mais ça va. Bon après, si on en perd un ou deux, hein, c'est pas un drame. Et ça repop de partout encore. Ils peuvent pas tout nous mettre d'un coup. Non. S'ils mettaient tout d'un coup, je gueulerais parce qu'il y en a de trop, certes, mais quand même. Ah merde. Faut tomber la vue à la première personne, il y a sa grosse tête devant le visage. Oh bien. Des flèches plus 4 de dégâts. Et voilà, 3500 balles, des XP, etc. etc. 7000 points d'expérience. C'est vraiment cool, mais si j'avais eu des lieutenants avec moi, ils auraient pris 3-4 niveaux directs, quoi. Il y a des 7 fighters,
des chasseurs de têtes. Ils sont où? Des headhunters, ils sont où? Ah, c'est des archers montés. Dommage. Cavalerie de choc, c'est bon ça. Ok. Bon, d'ici quelques jours, quelques semaines, on pourra passer sur 100% 100% géant. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Ok. Eh ben voilà, on en a deux mercenaires avec nous. Deux gonzesses, pourquoi pas. Alors, Kara. Un petit peu médecin sur les bords. Elle est plutôt bien équipée, hein. Arbalétrière montée, ok. Donc, ouais, okay. Donc Kara, ça va être la soigneuse, et Zeyra, ça va être l'éclaireur. Ouais, on va appeler ça comme ça, l'éclaireur. Tout ce qui est éclairage, c'est intelligence. Foraging, c'est pour avoir de la bouffe, ça c'est bien. Super. Super. Bien. Voilà, là on va vraiment avancer maintenant. Alors, bam bam bam, Perisno Initiate, Novice. Ce giant clansman, c'est trop le bordel. Vivement qu'on soit full giant. Giant. Putain, c'est bon, hein. Il y a longtemps que j'ai pas bouffé un giant. Excusez-moi. Alors, freezing, taverne. Borombure. Oh, voilà, un nouveau copain. Qui m'a coûté 3800 balles quand même. Encore un arbalétrier, sérieux? Oh, 21 de force le bétail. Oh de Dieu! On va t'équiper comme il se doit, mon petit. T'inquiète. Génial, donc là on a un bon guerrier maintenant. On va aller voir à Arendal et puis après on retourne chez les géants. Sword Sister, Wandering Bard, Ransom Broker, Weapon Enthusiast, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, il me parle du dueliste qui possède une épée. Une rapière. D'accord. Donc le dueliste, on peut le trouver dans les camps d'entraînement, partout dans Perisno. Enfin,
Je trouverai plus de renseignements dans les camps d'entraînement. Tout ça. Ok, The Dueler. Alors, j'en ai pas entendu parler depuis des années. D'accord. Donc, il en a pas entendu parler depuis des années et il voudrait pas donner des informations à quelqu'un de mal intentionné. Donc, il veut que je lui prouve ma valeur en pétant la gueule à ses trois meilleurs combattants. Je pensais qu'il enverrait les trois d'un coup. Oh, cette gueule de tueur que je me suis fait quand même. Alors. Bon, le dueleur lui a pété la gueule. Il a battu tout le monde ici. Alors. On peut trouver un répertoire d'informations sur cet homme à la grande librairie de Galway. Alors, location, Galway. Hop, hop, show map. Ah, ce qui est con, c'est que... En fait, je suis un géant, quoi, donc... Bah, c'est bien, non mais c'est bien, là, je suis en train de courir après une rapière. Mon géant, il va pas se battre avec une rapière, quoi. Rapière, pour ceux qui captent pas bien, c'est l'épée de d'Arya Stark, hein, quand même, dans Game of Thrones. Elle est où ta grande librairie, là? Paris de Galway. Ingénieur royal de Galway, d'accord. Alors, là je lui dis que je cherche un bouquin spécifique. Voilà. Alors, connaissez-vous Nibor Hood, le leader des Outlaws? C'est le frère de Tolarian Claymont, le dire. Ouais. C'est-à-dire quoi? Que le dueleur, c'est un Outlaw, c'est ça? Pas suivi, là. Ah ok, il faut qu'on le lise. Il me faut 10 d'intelligence, je dois les avoir normalement. Alors, camp, take an action, select book to read, l'anthologie du dueleur. Ça c'est fait, c'est en route. Ensuite on a une autre quête. Là, il y a des adorateurs du démon qui sont dans le coin. Non, c'est pas... Bah non, c'est des Eagle Knights, ça. Écoutez, on va sauvegarder. Je sais pas du tout ce que ça peut représenter en termes de puissance des démons. Enfin, des worshippers, surtout.
Il me demande si je reconnais la suprématie de son ordre. J'ai envie de te dire, va chier. À Calais, tu verras la mer. Bah oui, c'est la base. Ok, c'est parti. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de cavalerie en face. Ouais. Ok. Merde, ma souris. Ah, saloperie, non. Ah, c'est vraiment pas le moment de merder, madame la souris. Je te jure. Eh ben, excusez, un petit problème technique, ça se passe bien, mes géants sont en train de les bolosser. Voilà, les adorateurs du démon font rien par rapport à... Ah, au Sad Giant. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Oh oh. Otherworlder. Merde, il y en a encore. Je lui mets 17 points de dégâts, c'est tellement pourri. Qu'est-ce que tu fais là tout seul, toi? Ah oui, 405 expérience, ah oui, d'accord, oui. 400 XP, on est déjà sur du beau bébé. Hein. Invocateur du démon, worshipper, pilgrim, ça marche. Les level up. Quoi ça? Des Schwarzschultz? Schwarzschultz? Ok. Pire comme fer, monsieur. Bah, monsieur. Pas mal, c'est pas mal. Alors, arbalète. Bolt, une masse, tu veux une masse? Ouais, one-handed weapon, ce sera bien. Et shield, voilà. Upgrade armor et cheval. Bien. Zaira, aller à l'arc.
Baron Bure, arbalète. Volt. Ouais, je préfère Wadandid. Moi, perso, je préfère qu'ils aient des boucliers parce que. C'est un peu chaud quand même de se défendre sans bouclier dans ce jeu. Ok, j'ai l'impression qu'ils sont équipés. On va vérifier. Ouais, elle a changé de casque. Enfin, elle en a mis un surtout. Ok, ils ont tous mis des masques de Worshipper à la con, là. Ça fait un peu dark. Alors, on va retourner à Galway. Normalement, je vais pouvoir valider la quête à Faris. XP, c'est cool. D'accord. Donc là, on pourrait enchaîner les. D'accord. Il a besoin de faire des recherches. À chaque fois, il est embêté par les membres du culte. Donc on pourrait farmer ça puis en buter plein. sept cents balles de. Très bien, très bien. Et c'est quoi ces trucs-là, là? C'est Solrania? D'accord, c'est ces troupes-là, ok. Allez, on retourne chez les Suts. Ok, et sur ce, les amis, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, bien sûr. On se revoit demain pour de nouvelles aventures. Ciao.